Bonsoir. Nous sommes bien au 13 avenue du bord de l'eau. Oui, monsieur, c'est bien ici. Voici l'invitation que nous a transmise Madame Sandy. Oui, monsieur. Madame va expliquer. Est-ce que je peux vous débarrasser de vos bâtons, s'il vous plaît? Ah, attention à la fourrure, jeune homme. C'est du zone d'Asie occidentale. Monsieur et Madame Desruisseaux veulent bien me suivre. Je vais porter votre chapeau. Et nos bagages? Oh, ne vous en faites pas, monsieur. C'est encore de mon âge de transporter un ou deux manteaux. C'est la chambre au bout du couloir. Mais si tu transportes tes bagages toi-même jusqu'à la chambre, tu te permets des domestiques. Bien assez que tu es allé transporter la voiture à l'entrée. Tu vois bien qu'il n'est pas l'heure de transporter des bagages. Non, j'aime bien d'avoir le temps. C'est même pas le temps. Les domestiques en font à leur tête. C'est trop long. Si j'étais sa patronne, il n'y aurait pas d'autre choix d'être en plus de bagages. Madame semble avoir une très belle collection de tableaux, hein? Oui. Oh, regarde, je lance. Quoi? Un métis. Où ça? Si. Un matis! Voyons, c'est un matis! Mais c'est ça que j'ai dit. Pourquoi t'as essayé toujours de me prendre en défaut? J'essaie pas de te prendre en défaut. Tu dis métis. Je te dis matis, c'est tout. Ah ouais, là. J'ai dit Mathis, c'est ce que je dis, Prudence! Prudence! Quoi encore? Elle va être grosse cette fois? Regarde, c'est le tout bien qu'on a. C'est toi, imbécile! Madame a bien raison! Ne t'enfile! Si c'est M. Dame veut bien dessus! Madame Navarro t'a demandé de vous montrer votre chambre. Alors? Je dois vous montrer votre chambre! C'est ainsi.